Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Vous pouvez bénéficier d'une super promo en allant sur nordvpn.org/cyrusnorth. Plus d'informations dans la description et en fin de vidéo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Êtes-vous des merdes ? Le concept est très simple, il n'a pas changé. Vous m'envoyez des histoires à l'adresse ci-dessous en utilisant un service qui vous permet d'être totalement anonyme, ok ? Mon bras droit, Tom Aguilar, lit vos histoires et il me fait une petite sélection aux petits oignons pour que je puisse les lire, les découvrir avec vous et qu'on se régale à déterminer si oui ou non la personne qui a écrit cette histoire est une merde. Évidemment, si vous lisez une histoire et que vous reconnaissez que je dis que vous êtes une merde à un moment donné, à un instant T, ok ? Ça fait pas de vous une merde dans votre vie et vice versa, si pour une histoire vous n'êtes pas une merde, ça veut pas dire que dans votre vie en général, vous n'êtes pas une merde non plus. Ça se trouve, vous êtes une merde. On ne sait pas, on peut pas savoir. Qui peut juger ? Personne. Sans plus tarder, je pense qu'il est temps de se poser la véritable question. Êtes-vous des merdes ? Suis-je une merde pour avoir révélé mon homosexualité aux parents de ma copine ? Waouh, ah ça s'annonce complexe. Bonjour Sirius, je t'ai vraiment découvert par cette série de vidéos que j'adore. Bah, mais ça me fait grandement plaisir, merci. Elle m'a fait penser à mon histoire qui me travaille toujours quand j'y repense, mais avec les années, j'ai appris à vivre avec. On a un fardeau, on a un fardeau. Cette histoire remonte à plusieurs années. En études supérieures, je vivais au moment des faits dans une chambre universitaire, 9 mètres carrés, toi-même tu sais. On est là, mon premier appart à Paris c'était 13 mètres carrés, tu vois. 4 mètres carrés de plus, autant dire que j'étais bien. Alors je rentrais généralement le week-end chez mes parents qui n'habitaient pas très loin. Ah, je suis en train de me rappeler que j'avais une chambre universitaire aussi à un moment, quand j'étais en internat, ça devait être moins que 9 mètres carrés. Hein. Donc le week-end tu rentrais chez tes parents, ok. Un jour après 5 mois de relation, ma copine me propose de rentrer chez ses parents le week-end pour qu'on se voit plus souvent. Elle vivait chez l'habitant. Alors ce qu'on appelle chez l'habitant, c'est en gros, parce que j'ai vécu aussi chez l'habitant, voilà. En gros c'est qu'il y a un particulier qui a une chambre en plus, parce que par exemple ses enfants sont partis, et donc il loue cette chambre, c'est ça chez l'habitant. Elle vivait chez l'habitant, alors elle devait partir tous les week-ends et mon 9 mètres carrés à 2 c'est chaud. On devait alterner une semaine chez ma mère et une semaine chez ses parents. Le hic, je suis moi aussi une femme et ses parents sont de ceux qui sont rendus à Paris pour marcher à la manif pour tous. Ah, ah. C'est vrai que c'est un truc que je vous demande à chaque fois, donc dans les histoires un peu plus anciennes, c'est peut-être pas le cas, vous l'avez peut-être pas fait, mais à chaque fois commencez l'histoire en disant votre genre et votre âge, parce qu'en fait, si toute une histoire vous dites je, etc., des fois c'est hyper dur de savoir qui on s'adresse, quoi. Et parfois ça peut être utile pour l'histoire pour mieux la comprendre. Par exemple, je suis une mère pour avoir révélé mon homosexualité aux parents de ma copine, on aurait pu croire que c'est écrit par un mec, et qu'en fait le mec il sort avec une meuf, mais au final il est homo, donc il aime pas vraiment sa meuf, mais il va le dire aux parents de la meuf. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une toute autre histoire, quoi. Reprenons. Ses parents, évidemment, ne savent pas que leur fille est lesbienne, et encore moins pour elle et moi. Ah, il va y avoir une sacrée ambiance là. Au début, j'étais pas chaud. Moi, j'ai fait mon coming out à ma famille il y a des années. Tous mes potes sont au courant, alors l'idée de retourner faire une partie de cache-cache dans le placard ne me tentait pas. Ça, c'est bien ça. Ah, on aime ça. On aime. On n'est pas là pour jouer à cache-cache. Finalement, elle a su se montrer persuasive et j'ai fini par accepter. Je comprends aussi, elle a dû dire voilà, ça me fait plaisir, c'est mes parents. Voilà. Les premiers mois se passent bien, ses parents ne captent rien, comme quoi le déni peut être puissant. Et il faut avouer, il y a quelque chose d'excitant de jouer avec le feu, même si on reste globalement très prudente. Alright. Un jour, alors qu'on était chez ses parents, ma copine et moi, on se dispute. C'était une histoire bête. Ah, souvent, les disputes, les histoires bêtes. Mais j'étais quand même en colère quand on est passé à table le soir. Alors quand son père a fait une remarque homophobe devant une publicité, vous savez celle de Mythique, qui est le premier site de rencontre à avoir inclus des couples homo dans ses pubs en 2016, je n'arrive pas à me retenir. Je leur dis avec énervement que moi je trouve ça plutôt bien qu'ils créent enfin des pubs plus inclusives et que j'aurais aimé voir ça quand j'étais plus petite, plutôt que des manifestations de gens en colère qui voulaient me pendre sur la place publique. Gros blanc. On parle pas des parents comme ça. Ah non, pardon. Okay, c'est... Ouais, j'essaie de détendre l'atmosphère, ok. Tu m'étonnes, gros blanc. Je regrette immédiatement mes paroles, mais les mots sont déjà sortis. Après un repas à avoir parlé d'autre chose, une fois dans sa chambre, ma copine m'en veut à mort. Et sur ce coup, je la comprends. Le pire est qu'après ça, le week-end d'après, la mère de ma copine l'a fait culpabiliser jusqu'à leur avouer son homosexualité. Elle est virée de chez ses parents et trouve refuge chez son frère les week-ends. Bien sûr, elle ne veut plus me revoir et on ne s'est plus jamais reparlé. Ah là, c'est dur. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'au bout de quelques temps, ses parents lui ont reparlé et aux dernières nouvelles, ils l'ont accepté. Ou du moins, ils font semblant de rien savoir quand elle est chez eux. J'ai appris ça après 3 mois d'une amie en commun. Moi, de mon côté, j'ai alterné des périodes où je me sentais très coupable de ne pas avoir pu tenir ma langue et d'autres où je me persuadais que c'était de la faute de mon ex-copine d'avoir voulu jouer ce jeu dangereux et qu'au fond, peut-être qu'elle voulait que ça arrive pour pas avoir à faire son coming out à ses parents elle-même. Voilà, suis-je une merde pour avoir dans un élan de colère révélé aux parents de ma copine mon homosexualité. Bon, alors déjà, est-ce que le truc c'est révéler mon homosexualité ou est-ce que du coup t'as révélé la sienne aussi? Parce que c'est pas la même question, tu vois. Parce que le week-end d'après, la mère de ma copine l'a fait culpabiliser jusqu'à leur avouer son homosexualité. Donc les parents, ils sont pas teubés, quoi. Ils se doutent, tu vois, que vous venez ensemble tous les week-ends, genre, t'es homosexuel. En fait, ça se trouve, ils sont en couple, quoi. Tu vois.
Donc en fait, la question, je me demande si c'est pas suis-je une mère pour voir dans un élan de colère révéler aux parents de ma copine notre homosexualité. Il y a un peu de ça. Maintenant, quand tu dis au fond peut-être qu'elle voulait que ça arrive pour pas avoir à faire son coming out, etc. Là, t'es en train de lui prêter des intentions. Alors, moi, je suis pas trop fan de ça. Je pense qu'il faut pas prêter des intentions. On sait pas. Ça sert à rien de se cacher derrière ça. Et je dis que ça sert à rien de se cacher derrière ça parce qu'en fait, t'as pas forcément besoin de te cacher. Parce que pour moi, là où je suis d'accord, c'est que c'était un jeu dangereux. Ce risque existait et elle a pris ce risque. Tu vois, si elle voulait vraiment absolument pas que ça se sache, bah t'évites de faire venir ta copine chez tes parents, quoi. T'as fait une connerie et tu l'as regretté. Ça arrive, c'est chiant, c'est un peu chiant que ce soit fait comme ça, mais ça arrive, tu vois. Et pour moi, ça fait pas du tout de toi une merde. Des gaffes comme ça, mais tout le monde en a déjà fait plein. T'étais en colère, c'était au mauvais moment, concours de circonstances, il y a cette pub, le mec réagit, tu réagis par-dessus. Chiant. C'est pas pour ça que t'es une merde, tu vois. T'as pas fait exprès, en fait. C'était pas un truc calculé depuis des semaines, un truc que t'as manigancé. Non, rien de tout ça, tu vois. Donc pour moi, tu n'es pas une merde et on t'embrasse tous très fort. Et je suis heureux que tu adores cette série de vidéos, du coup. Suis-je une merde de cacher mon corps à mon copain ? Tant que tu caches pas le corps de quelqu'un d'autre, normalement ça devrait aller. Salut, pour vous situer, j'ai bientôt 18 ans et j'aime une personne virtuelle. Enfin, j'ai rencontré mon copain actuel sur internet et à cause des confinements et du bac, cela fait 3 mois qu'on se connaît mais qu'on ne veut pas se voir et ce jusqu'en juillet. Le problème, c'est que je suis grosse, ok, donc c'est une femme de 18 ans. Je suis grosse, ça me dérange pas personnellement mais je comprends que lui si. Mais il ne le sait pas, en tout cas, je lui ai jamais dit clairement que j'étais grosse. Je vois trop ça comme quelque chose d'injuste, comme un coming out mais de grosse. Bref, il me voit souvent en cam et je le vois souvent en cam aussi et j'évite de montrer mon corps en entier parce que même si je m'y sens bien, j'ai peur que lui il ne l'aime pas et m'abandonne. Je trouve ça hyper touchant. En bref, est-ce que je suis une merde de cacher, mais pas trop, ma différence de poids à mon copain ? Wow ! Alors, a priori non. Tu lui mens pas, vous mettez la cam, etc. C'est juste que t'évites certaines choses. Tant qu'il te demande pas des photos et que t'envoies les photos de quelqu'un d'autre, bah pour moi, tant que tu fais pas ça, t'es pas une merde, si tu veux. Par contre, voilà, je me demande si tu te mets pas dans une situation qui va être de plus en plus compliquée. Ou en fait, vous allez vous attacher encore plus et une attente qui va se créer des deux côtés, etc. Je sais pas, si jamais c'est un truc qui le gêne, ça pourrait le gêner, j'en sais rien, tu vois. Bah ça pourrait vous faire chier tous les deux, quoi. Moi, évidemment, ce que je te souhaite, c'est qu'ils s'en branlent. C'est qu'ils disent, ouais, ok, je m'en fous. Est-ce que tu te sens bien dans ton corps? Oui. Bon, bah voilà, c'est tout ce qui compte pour moi. En fait, pour moi, à partir du moment où tu lui mens pas, t'es pas une merde, tu vois. C'est normal que t'aies des trucs que t'aimes moins chez toi, ou c'est pas que tu les aimes moins en plus, c'est même pas ça. C'est que t'as peur que lui les aime moins, c'est normal, tu vois. Et que du coup, tu mettes pas ces trucs là en avant, ou même que voilà, tu préfères en parler en dernier, ça se comprend tout à fait. Et ça, ça fait pas toi une merde. Pour l'anecdote, très différent, hein. Rien à voir la problématique du poids et la problématique de la taille. Moi, je sais que sur des applis de rencontre, parfois, quand j'ai l'impression que la fille est assez grande, c'est limite mon premier message. Mais souvent, c'est quand la meuf, elle met dans sa bio sa taille, elle me dit bon, est-ce qu'elle met sa taille pour elle, c'est-à-dire pour se protéger elle, elle veut pas des gars qui sont plus petits que sa taille par exemple, ou est-ce qu'elle met sa taille pour donner une information pour les gars, si des gars veulent pas être avec une meuf plus grande que ou quoi. Et donc souvent ça va être dans mes premiers sujets. On va parler vite fait et je dis ouais, en fait j'ai vu ta bio machin, t'as mis ça, bah, je préfère te prévenir, moi je fais telle taille, est-ce que c'est un problème pour toi? Et ça arrive régulièrement que ce soit un problème pour les gens. Et donc bah la discussion s'arrête quoi. Mais ce qui est cool, c'est que j'ai pas eu le temps de m'attacher à la personne et donc d'être déçu. Je suis là en mode bon bah voilà, next. Et c'est ça ce qui est compliqué dans ta situation, c'est que si c'est un point bloquant pour lui, bah c'est relou quoi. C'est relou parce que toi tu t'es déjà attaché. Là je suis pas en train de te juger et de dire si t'es une merde ou non. Pour moi c'est clair que t'es pas une merde. Je te partage juste mon expérience. Je dis pas que c'est la bonne chose à faire. Moi, je sais que je me sens mieux comme ça. J'en connais d'autres qui fonctionnent différemment. Et je pense que tu choisisses l'un ou l'autre, c'est pas ça qui fait toi une merde. C'est ça ce que je voulais te dire. Ce qui pourrait faire de toi une merde, encore une fois, c'est de mentir à la personne. Là, c'est pas le cas. En tout cas, on t'envoie beaucoup d'amour. Suis-je une merde pour trouver ma mère et mon frère trop cons ? Je suis ce qu'on peut appeler un produit de l'ascension sociale. Ah, j'adore ! C'est-à-dire que j'ai un niveau diplôme plus élevé que mes parents. Aucun de mes parents n'a fait d'études alors que j'ai un master. Boum ! Mes études ont été pour moi l'occasion de m'ouvrir intellectuellement et culturellement, notamment en fréquentant mes camarades de classe qui venaient de milieux sociaux et culturels plus élevés que moi. Oh là là, là le mec, l'ascenseur social. On l'appelle Otis, tout simplement. T'as quel âge, on sait pas par contre, quel genre, on sait pas, on n'a pas d'informations. Ça a d'ailleurs été une claque pour moi au premier abord, j'ai senti la différence sociale et j'ai dû en quelque sorte lutter pour attraper mon retard, notamment culturel. Dans le sens être cultivé. Mais plus je m'enrichissais culturellement et plus je commençais à remarquer les limites de ma mère en termes de culture, connaissance sur le monde, ouverture d'esprit, poétique, etc. Je n'ai pas ce problème avec mon père car même s'il n'a pas fait d'études, il est très curieux, s'informe et s'instruit beaucoup par lui-même, ce qui n'est pas le cas de ma mère, qui s'informe de manière très classique en regardant les infos de temps en temps ou en regardant des vidéos sur Facebook et ne cherche pas particulièrement à se cultiver davantage. Du coup, lors de discussions un peu sérieuses, je ne peux m'empêcher de remarquer que ma mère est sacrément conne. Que ma mère sort parfois des énormités ou lance des phrases complètement à côté de la plaque par rapport au sujet de la discussion. Je vois ce genre de scène. Je dis pas que mes parents sont comme ça, mais je vois ce genre de scène. Attendez, aparté, je parle à mes parents. Je ne dis pas que vous êtes comme ça, sincèrement. Mais je vois de quoi ils parlent. Mais je parle pas de vous. Mais vous voyez, vraiment, je parle pas de vous. Maman, papa, vous pouvez me laisser faire mon travail, s'il vous plaît ? Mon frère, quant à lui, est en 3e et n'est pas ce qu'on pourrait appeler un élève brillant. Au contraire. Ça tire à balles réelles, putain. C'est un ado très basique.
basique, j'adore, qui ne s'intéresse pas du tout au monde, fait des blagues et des commentaires débiles du niveau des gens de son âge. On n'a pas l'âge, ok? T'as pas indiqué l'âge. Et se comporte encore comme un enfant. C'est le dernier, donc chouchouté au max. J'aime ma mère et mon frère de tout mon cœur. Ce sont des personnes vraiment pleines d'une multitude de qualités humaines. Ah, ça fait plaisir. Mais j'ai un problème. Parfois, quand ils ouvrent la bouche, je ne peux m'empêcher de les trouver cons. Le pire, c'est que mon comportement envers eux est assez explicite quand je trouve que ce qu'ils disent est con. La plupart du temps, je ne leur réponds même pas, car j'ai vraiment un problème avec les phrases que j'estime débiles. Putain, je suis pareil, là-dessus. Ah, moi, je réponds, hein. Mais j'avoue, j'ai un... Quand il y a des phrases que je trouve bêtes, C'est vraiment un truc qui me... Voilà, ça m'agace vraiment. Ouais, moi, ça m'agace pas, ça me... Bah si, ça m'agace. Ouais. Je jure que j'essaie de travailler dessus, mais c'est plus fort que moi, ça me titille les entrailles. Après, franchement, si t'étais vraiment cultivé, t'aurais pas dit titille les entrailles. T'aurais dit une vraie expression qui existe. On voit que t'es assez limité intellectuellement. Du coup, je m'en veux quand même de leur faire ressentir que je les trouve bêtes. Bah oui, ça me peine de me dire que ma mère notamment doit ressentir une certaine condescendance de ma part. Bah ouais, t'imagines la pauvre. Suis-je une mère de juger de manière condescendante le niveau intellectuel de ma mère et de mon frère et de ne pas réussir à leur cacher que je trouve leurs commentaires bêtes? Pitié, rassure-moi. Très intéressant. Parce que, tu vois, le titre, c'est « Suis-je une merde pour trouver ma mère et mon frère trop cons ?» Et non, t'es pas une merde de les trouver cons. Par contre, de leur renvoyer le fait que tu les trouves cons, ah bah c'est intelligent, tu connais ma réponse. Je pense que possiblement, ça t'agace parce que ça te déçoit. Tu vois, t'es déçu, en fait. Quand ils font ce genre de réflexion, que tu les trouves bêtes et tout, vu que l'intelligence, la culture et tout, c'est un truc qui est important pour toi et que tu valorises, ils baissent dans ton estime quand ils font ça, tu vois. Et donc tu leur en veux, quoi, de baisser dans ton estime. Et donc tu leur envoies ça, quoi. Il faut que tu te concentres sur cette phrase-là, là. Ce sont des personnes vraiment pleines d'une multitude de qualités humaines. C'est déjà énorme. T'as plein de gens qui sont pas pleins d'une multitude de qualités humaines, tu vois. Et donc il faut que d'une certaine manière, tu fasses le deuil, tu vois, qu'ils soient pas au niveau que t'aurais aimé qu'ils soient, voilà. Mais ouais, c'est pas ouf de leur envoyer, enfin tu vois, c'est pas agréable, quoi. Suis-je une merde pour avoir couché 3 fois avec une meuf qui me plaisait pas, par pitié? Mais pourquoi tu t'infliges ça, là? Depuis quelques temps, je m'amusais à découvrir Tinder, puisque tout le monde en parle. Alright. Dans ce contexte, je fais la rencontre d'une fille, dès le premier soir où on discute, me propose qu'on s'appelle. Ok. Ça m'est jamais arrivé, ça. Curieux, j'accepte, je n'ai jamais appelé quelqu'un que je ne connaissais absolument pas. Avant, ça me met mal à l'aise, ça me stresse. Durant cet appel, elle me raconte qu'elle est dépressive et toutes les galères qu'elle rencontre dans sa vie. Un appel qui dure presque 2 heures, dans lequel elle monopolise la parole. C'est pas un appel, c'est une prise d'otage. Il faut que cette personne aille voir quelqu'un. On a fait un live où j'avais parlé de Nightline, par exemple, qui est fait pour ce genre de situation. Parce que je comprends qu'elle n'ait peut-être pas d'amis autour d'elle, etc. Mais un inconnu sur Tinder, c'est pas fou. Putain, et toi, après, t'as couché avec elle, là? Attends, on va suivre l'histoire, on va suivre l'histoire. Ce temps a suivi pour que je prenne un peu pitié d'elle, donc on continue de discuter par message les jours suivants. Comme toute conversation sur Tinder, on finit par se rencontrer à 2 reprises en bord de mer. Est-ce que c'est important que ce soit en bord de mer ou pas? J'espère pas. En vrai, ça se passe très bien, elle est très bavarde et parle beaucoup d'elle, mais ça ne me dérange pas plus que ça. Et puis les rendez-vous sont finalement assez courts. J'ai cependant mis très vite au clair que je ne souhaitais pas engager de relation amoureuse avec elle. Ok, donc vous êtes potes, vous êtes en train de devenir potes. D'après le titre, non, c'était clairement pas mon type de fille. Elle te plaisait même pas physiquement, vous avez matché pourtant. On continue de discuter par message. Elle est d'ailleurs très insistante dans ses messages et me répond toujours dans la seconde, ce qui personnellement m'agace. Je n'aime pas avoir ce sentiment d'obligation de répondre rapidement. Putain, j'avoue, je fais ça parfois. Moi, je réponds un peu trop vite parfois. Parce que vu que à cause de mon métier, je suis souvent sur mon tel, etc. Oui, j'ai l'excuse de mon métier, oui. Bah parfois, je peux être hyper réactif. Par contre, ça veut pas dire que la personne m'intéresse plus que ça. Genre, je peux m'en foutre et répondre direct. Au fil des conversations, elle me fait comprendre qu'elle aimerait bien engager des relations charnelles avec moi. Puisque dépourvu, je me prends au jeu. Alright. Après quelques temps, j'invite à passer une soirée chez moi sans intention par rapport à la conversation précédente. Ouais, tu le sentais venir un peu, non? C'est une soirée tranquille. Où on picole, moi un peu, elle beaucoup trop. Faut arrêter avec l'alcool, là. Les soirées arrosées avant le sexe, là. Surtout quand on connaît pas la personne, c'est la première fois, machin. Faut arrêter ça, hein. Je me retrouve à devoir l'obliger à arrêter de boire et la mettre au lit. Cette soirée a été pour moi catastrophique. Putain, j'ai de la peine pour toi, là. Mais attends, mais vous avez fait l'amour, là, ou pas? J'ai pas compris. Le lendemain, elle est toute souriante et semble avoir passé un bon moment et me demande mon avis. Sans la moindre once d'honnêteté, je lui dis que oui et qu'on fera une autre soirée avec plaisir. Non! Non! Sans la moindre once d'honnêteté. Ça commence toujours mal quand il n'y a pas la moindre once d'honnêteté. Ah là là! Un soir, elle me dit qu'elle a envie de se suicider. Dans ma tête, c'est la panique. Je n'ai jamais été confronté à quelqu'un qui voulait mettre fin à ses jours. J'appelle donc SOS Amitié pour qu'il me donne des conseils pour ne pas merder. Eh, hey, t'es bon! T'es bon! Ah là, je sais pas encore si t'es une merde ou pas. Mais ça là, ce move là. Si t'es une merde malgré ce move, c'est que vraiment après tu chies dans la colle. Mais ça c'est pas mal. Bien joué. Une autre soirée finit par arriver quelques semaines plus tard. Cette fois je réussis à l'inciter à boire moins que la dernière fois. Cependant, gardant un peu la tête claire, elle est aussi beaucoup plus avenante. Je ne suis pas attiré, mais je la rejette pas pour autant. Elle manquait d'affection et je voulais pas lui faire plus de mal. Oh là là. Arrive ce qui doit arriver et je passe encore un très mauvais moment qui n'est pas réciproque. Le lendemain, même histoire, elle est contente, moi pas. Gros
trouve c'est terrible. Durant nos conversations, j'apprends à découvrir qui elle est vraiment et ça me déplaît beaucoup. Raciste, homophobe, etc. Ok. Elle est dépressive et a tendance suicidaire, j'arrive pas à être honnête avec elle. Putain, c'est chaud, c'est chaud. Cependant, j'essaie de marquer un peu plus de distance et repousse l'idée d'une autre soirée prétextant être très fatigué. Mais après quelques semaines, je reçois un autre message de sa part où elle dit qu'elle ne va pas bien et qu'elle a besoin qu'on se voit. Je reçois ce message à minuit. J'ai tout sauf envie de passer une autre soirée avec elle, mais je peux pas la laisser seule. Je propose une autre soirée le week-end. J'étais dépité, mais heureusement, mon meilleur ami s'est joint à la partie. Eh, pas bête ça. Au moins, j'étais sûr de pas être seul. Après à peine quelques heures, mon pote comprend tout de suite le problème. Elle passe son temps à parler d'elle et à se plaindre. Finalement, la plupart de ses problèmes étaient en fait de sa responsabilité. Nous subissons donc la fin de la soirée où elle s'acolyse toujours plus que nous. On connaît cette situation de malaise quand une personne est ivre et tout le monde sobre à côté. J'avoue, j'ai assez peu connu en fait, parce que c'est moi le mec ivre. Pendant la soirée, elle me dit : ce que j'aime bien chez toi, c'est que t'es super honnête. Je ne me suis jamais senti aussi coupable de ma vie. Mon amitié avec elle est au paroxysme de mon hypocrisie. Waouh. Malgré le malaise palpable, nous couchons ensemble, je ne veux pas. Elle me demande mon consentement, mais je suis toujours incapable de dire non. Mec, tu me demandes si t'es une merde, mais je crois que c'est toi la victime dans cette histoire. Cette soirée en est de trop, et l'avis de mon meilleur pote me confirme mon point de vue. Dès le lendemain, je lui envoie un message qui explique que je ne souhaite pas la compter parmi mon entourage. Depuis, nous ne parlons plus. J'ai aussi supprimé toute application de rencontre qui est au final plus de galère qu'autre chose. Je ne sais pas si j'ai été gentil comme j'essayais de l'être, ou simplement une merde incapable d'être honnête qui s'est retrouvée coincée dans une situation qu'il ne contrôle pas. Waouh! Putain, déjà, merci pour ce témoignage parce que c'est pas facile, je pense, ce que t'as vécu, mine de rien. Tu vois, tu dis, je sais pas si je suis simplement une merde incapable d'être honnête. C'est pas comme si t'étais face à une personne, entre guillemets, lambda, tu vois, où tout se passe bien. Non, c'est que il y avait des trucs qu'elle te disait et qu'elle faisait qui faisaient que t'avais peur d'être honnête. T'avais peur que ça lui coûte la vie, quoi, tu vois. Pour moi, c'est faux de dire que t'es incapable d'être honnête. À plein d'autres moments de ta vie, tu es honnête, tu vois, et que tu valorises l'honnêteté. Si tu valorisais pas l'honnêteté, tu serais pas en train de culpabiliser comme ça. Donc pour moi, t'es quelqu'un d'honnête. T'as voulu bien faire. Et en voulant bien faire, tu t'es retrouvé en fait victime d'une situation. Je pense qu'il faut distinguer en fait la gentillesse, parce que tu dis j'ai été gentil et comme est-ce que je sais pas si j'ai été gentil comme j'essayais de l'être. Il y a être gentil et tu peux très bien rester gentil, mais lui dire que non en fait ça va pas le faire pour telle et telle raison, machin. Lui donner le contact que tu connais de quelqu'un qui pourrait peut-être l'aider, ce genre de choses, tu vois. Un peu comme t'as fait avec SOS Amitié. Là t'as été gentil, mais tu peux dans ta gentillesse avoir tes limites. Et dire non, ça, par contre, là, c'est mon territoire, c'est mon terrain, c'est moi, c'est ma volonté. Et c'est pas parce que je suis gentil que je vais aller à l'encontre de ma volonté. T'es pas obligé de t'oublier dans ta gentillesse. Moi, je pense que c'est une super leçon. Je pense pas que ça va t'arriver de sitôt, de nouveau. Parce qu'il y a des gens qui sont dans une situation comme ça, mais genre pendant des années. Toi, je pense que maintenant, très vite, tu vas dire, ok, je vois où ça va et c'est pas pour moi. Mais non, clairement, clairement, t'es pas une merde. Et c'est ça qui est terrible. Parce que dans l'histoire, elle est persuadée que t'as passé de bons moments aussi. Peut-être que son inconscient sait, j'en sais rien. C'est très, très difficile de juger un inconscient. Mais vu qu'elle dit que t'es honnête, bah, c'est qu'elle pense que t'es honnête. Donc tu lui aurais dit si c'était un mauvais moment, mais vu que tu l'as pas dit et que tu l'as dit au contraire que t'as passé une bonne soirée, bah pour elle tout va bien en fait. Et donc c'est ça qui est terrible dans ce genre d'histoire, c'est difficile de trouver un réel bourreau, je trouve. On pourrait dire, vu que la victime c'est toi, le bourreau c'est elle. C'est pas aussi simple, je trouve. Je te dis ça parce que j'étais en train de me demander si c'était une merde, elle, de son côté. Et je crois pas. Je crois qu'on est face à une histoire où il y a pas de merde. Parfois il y a une relation qui est toxique sans que les deux individus soient des merdes. Alors en tout cas j'espère que ça va mieux. Sache que sur les applis de rencontre, il y a aussi des gens formidables. Et genre ça se passe hyper bien, tu vois. Donc t'as vraiment pas eu de chance, je trouve. Donc voilà, on t'envoie toutes et tous beaucoup de soutien, beaucoup d'amour. On espère que ça va mieux, on espère que voilà, ça te pèse pas trop tout ça. Clairement, t'es pas une merde. Pour moi, t'es plus victime qu'autre chose. Et j'espère que cette histoire t'aura appris beaucoup de choses sur toi. Et encore une fois, à certains moments, genre le coup d'appeler SOS Amitié et tout, super bon réflexe. Voilà, on voit que t'es quelqu'un de bien, quoi. Et que non, t'es pas incapable d'être honnête. Prends en compte tout le contexte. Suis-je une merde pour avoir profité d'une caissière muette dans un magasin? Ah, ça me fait peur. J'étais au lycée à l'internat avec plein de potes. En terminale, on a découvert un truc génial, l'alcool. Oh là là, ça commence mal. On en buvait à l'extérieur, puis de plus en plus le soir directement dans la chambre de l'internat. Étant mineur, on était obligé d'acheter dans des petits magasins super chers. Vient un soir où on passe dans un grand magasin et on essaie d'en acheter. On s'était déjà fait recaler plusieurs fois dans ce magasin. Puis je remarque une caissière que j'avais déjà vue qui est sourde et muette. Non. Depuis ce jour, on est toujours passé à sa caisse en se disant que pour des raisons évidentes, elle ne pourrait pas appeler la sécurité. Spoiler, ça marche. Je veux dire pourquoi t'es une merde. T'es une merde parce que si elle perd son job à cause de Watt, t'es une merde. Et de manière plus globale, si les responsables de magasins n'emploient plus de caissières et caissiers qui sont sourds-muets parce que ce genre de truc se répand, là t'es une merde aussi. Donc peut-être toi, à ton échelle individuelle, bon bah voilà, c'est un petit truc d'alcool et tout, c'est pas très. Enfin voilà. Déjà, bon, c'est illégal. Ça pèse quand même vachement dans la balance, merde. Mais en plus, l'impact que ça peut avoir au global, vraiment un impact de merde. Pour moi, désolé, avec tes potes, ça rentre dans la case merde. Je me rends compte aussi que mes lunettes sont sales, je les nettoie. Cyrus, si se lave. Si se lave, si se nettoie. Si se nettoie, c'est donc ton frère. Vous connaissiez pas celle-là. Cyrus, si se lave. Vous l'avez celle-là ou pas? Ok. Si se lave, si se nettoie. Bah, si se nettoie, c'est donc ton frère. Bon, allez. On verra ça plus tard.
Suis-je une merde de rester en couple par intérêt financier? On a envie de dire oui. Voici le contexte. Je suis une femme de 26 ans et je suis en couple depuis 6 ans avec un homme. Nous avons eu la chance d'acheter notre première maison à 21 ans. Que mon copain rénove quasiment seul depuis l'achat. Alors je sais pas si c'était une merde de rester en couple par intérêt financier. Par contre, de faire un retour chariot au milieu de ta phrase, vraiment ça fait 5 ans qu'il rénove la maison. Okay. Nous sommes considérés dans notre entourage comme un couple parfait. Mais tu m'étonnes. Car on s'aime et on s'entend très bien, on se dispute rarement. A priori, les gens ne savent pas tout. Mais voici le problème, mon copain travaille tout le temps. Mais tu m'étonnes, il a une maison à rénover, tu sais. Il rénove notre maison, mais il faut aussi des chantiers un peu partout. En plus de son emploi du temps, plein. Résultat des courses, je suis tout le temps toute seule. On habite en pleine campagne, ayant quitté ma région pour vivre avec lui, j'habite loin de ma famille et de mes amis, donc je reste tout le temps seule à la maison et à m'occuper de tout comme une femme au foyer. Et je bosse en temps plein aussi. Alors que c'est pas du tout ma vision de la vie, pour rappel j'ai 26 ans. Ah bah je comprends de ouf. Je ne passe jamais du temps de qualité avec mon copain et ça me rend malheureuse car j'ai l'impression de vivre seule et de me taper la charge mentale pour deux personnes. Tout le monde lui fait de grands éloges car il est courageux et c'est vrai, mais moi j'en ai marre, même si ça peut paraître égoïste. Non, t'as le droit aussi d'être reconnu pour... ton courage et pour ce que tu fais également. Hein. C'est pas parce que tu rénoves pas une maison que tu fais pas plein de trucs, quoi. Sauf que c'est des petites choses invisibles, en fait. J'ai déjà essayé d'en discuter avec lui. À chaque fois, il me promet que quand la maison sera finie, on profitera, on partira en vacances et on fera plein de trucs cool. Sauf qu'on ajoute tout le temps des travaux et des projets pour la maison et ça ne finit jamais. Et je trouve que c'est maintenant qu'on doit le faire et pas quand on sera vieux. T'as raison. Il est en couple avec la maison en fait, hein, de ce que tu nous racontes. Surtout qu'on a les moyens financiers de faire finir les travaux par des professionnels et de vivre confortablement. Parfois, et de plus en plus souvent, je pense à le quitter et à partir vivre seul, mais je ne le fais pas. Car je sais que je ne récupérerai pas tout l'argent investi dans nos travaux tant qu'elle n'est pas finie. Je précise que je suis complètement indépendante financièrement et que je reste que pour récupérer mon investissement financier dans la maison. Alors d'après toi, suis-je une merde pour ça? PS, j'adore ce que tu fais. J'ai pas l'habitude de faire ce que je vais faire là. C'est peut-être même la première fois que je le fais. Mais j'ai du mal à y croire. Dans le sens où je peux pas croire que tu ne restes que par intérêt financier. Pour moi, il y a de l'espoir. Tu restes parce que t'as espoir que ça change. Tu restes à cause du confort, peut-être de la vie à deux. Tu restes parce que t'as peur de l'inconnu qu'il y a après. Enfin, plein de choses. Mais je suis pas sûr que ce soit que pour une raison de thune. Tu vois, tu le dis, hein. Je suis quand même indépendante financièrement. On a les moyens financiers de faire finir les travaux par des professionnels et vivre confortablement. Quand la situation elle est vraiment invivable, c'est pas l'argent qui nous fait rester. Enfin, c'est l'argent qui nous fait rester si on est dans la merde. C'est pas ton cas, visiblement. Maintenant, peut-être que je me trompe. Et peut-être que je me trompe parce que c'est loin de ma conception du truc, tu vois. Moi, j'ai déjà eu des ruptures, profondes, où il y avait énormément d'argent en jeu, parce que, voilà, il y avait des projets à deux, etc. Bon, bah, ouais. Ouais, ça fait chier, mais c'est pas pour ça que j'allais rester. Ça, c'est ma conception. Après, peut-être que ta conception, elle est différente. Pour moi, t'es pas une merde pour autant. C'est un couple il y a des choses qui vont pas dans ce couple. Mais si tu veux mon avis, je trouve ça dommage de rester que pour des raisons financières. C'est pour ça que je ne pense pas que ce soit que ça. La satisfaction de faire sa vie comme on l'entend et d'être dans une situation confortable, entouré des gens qu'on aime, etc. Ça a pas de prix, tu vois. Ça vaut potentiellement tous les travaux que t'as investis et qui seront pas... On va pas récupérer. Donc non, t'es pas une merde. Mais de ce que je lis, il y a des choses à sauver dans cette relation. Suis-je une merde pour avoir fait un enfant à la copine d'un de mes meilleurs potes? Ah ouais, avoir fait un enfant à la copine d'un de mes meilleurs potes. J'ai un pote. L'âge, qui, quoi? Vous me rendez fou. J'ai un pote qui s'absente régulièrement en semaine pour raison pro. Parfois, c'est jusque 3 semaines. Bah, franchement, pour l'instant, parfois, c'est jusque 3 semaines. Ça va, 3 semaines, hein. Partir 3 semaines, ça va. Je sais pas c'est quoi la suite de l'histoire. Mais moi, si je pars 3 semaines, et mon meilleur pote et ma meuf, ils ont fait un enfant? 3 semaines? 3 semaines, c'est tout ce qu'il fallait? Il y a des gens qui partent à la guerre, parfois. Durant une absence, j'ai rapporté du matériel qu'il m'avait prêté. Quand je suis arrivé, sa copine, à ce moment, ils sont mariés maintenant, était seule à prendre l'apéro et m'a proposé un verre que j'ai accepté. Sa copine, à ce moment... Ah oui, d'accord, c'était sa copine, maintenant ils sont mariés. Ça change pas grand-chose à l'histoire. Elle a proposé un verre. Ok, la copine. Je vous passe les détails. C'est arrivé au bout de 2 heures où tous les deux, on a complètement craqué après un jeu de séduction et d'allusions coquines qui m'ont ultra déstabilisé sur le moment et que je n'ai pas imaginé une seule seconde avant que ça se passe. Ah ouais, la copine, elle est... Là, clairement, à mes yeux, t'es pas le seul responsable. C'est arrivé une seule fois et je ne sais absolument pas si elle est infidèle régulièrement. On n'en a jamais reparlé. Mon pote m'annonce moins de 3 mois plus tard que sa copine est enceinte et l'a demandé en mariage dans la foulée. Mais non. Je me réjouis pour eux quand ils m'annoncent depuis combien de temps elle l'est. Ça coïncide avec le moment critique. Non mais attends mec. Ils sont mariés depuis et le bébé a grandi. Ils font une famille heureuse. Il me dit qu'il n'arrive pas à avoir un deuxième enfant. Je me demande si c'était déjà le cas pour le premier. Et je n'ai pratiquement aucun doute que l'enfant est de moi. Très léger trait de ressemblance.
Ah, comme quoi, on part 3 semaines. Trois semaines, votre vie peut basculer, hein. Attention. Elle, comme moi, n'abordons jamais la question. Je ne sais pas si elle a la même conviction que moi. Je n'ai pas du tout l'intention de lui en parler. Car de 1, je peux me tromper. Et de 2, ça foutrait trop la merde. Et de 3, t'as pas envie de savoir, genre... Merde, putain, je n'ai pas envie d'être père. Et lui est comblé dans son rôle. Sa femme également fait une belle mère. Ou une belle merde. Je n'ai d'ailleurs aucune attirance pour elle. Ok. Et ne me sens pas gêné en leur présence. Ah, tu te sens pas gêné? Comment tu fais? Ah, je me sentirais trop gêné. Je me dis juste qu'il n'est simplement pas le père qu'il pense être. Ah ouais, donc toi, t'as même pas terminé le mail en disant « suis-je une merde de quelque chose, quoi ?» Tu sais, généralement, vous reposez la question à la fin, quoi. Ok. Ah, par contre, il faut mettre des préservatifs. Franchement, c'est pas suis-je une mère pour avoir fait un enfant à la copine d'un mec. C'est suis-je une mère pour avoir baisé comme ça sans préservatif. Oui, t'es une merde d'avoir baisé sans préservatif. Maintenant, toute la situation qui en découle... C'est un de tes meilleurs potes, qu'est-ce que je te dise? C'est un de tes meilleurs potes. Après, tu précises pas, tu parles pas trop de votre amitié, comment elle est. Dans le titre, il y a écrit meilleur pote. Après, t'en reparles pas trop de ce gars dans l'histoire. Oh là là, putain. Voilà, là-dessus, oui, là-dessus, t'es... Ça se fait pas, on fait pas ça. Ça se fait pas. T'es pas le seul fautif dans l'histoire. Fais l'avocat, pas du diable. Oui, la réponse. Suis-je une merde d'avoir fait, fait un enfant à la copine d'un de mes meilleurs potes? Oui. Maintenant, avocat du diable, visiblement, ils avaient des problèmes pour en avoir. Tu leur as apporté beaucoup de bonheur. Avocat du diable, j'ai dit, avocat du diable. Ah, putain, elle est folle cette histoire. Mettez un préservatif. J'espère que ces histoires vous auront plu. Là, maintenant, là? Bon, ok. Ok. Bon, attends. Hey, c'est Cyrus NordVPN. NordVPN, le sponsor officiel de Êtes-vous des merdes. Vous venir, vous demandez peut-être à quoi ça sert un VPN. Je vais vous expliquer. Un VPN, c'est un Virtual Private Network. Ça sert principalement à deux choses. La première, c'est que quand vous êtes dans un aéroport ou un café et que vous utilisez le Wi-Fi public et que vous allez sur un site qui n'est pas en HTTPS, bah vous n'êtes pas protégé. Hein, y a des gens qui pourraient lire toutes les informations qui s'échangent sur l'internet, ce que vous envoyez, ce que vous recevez, etc. Donc là, un VPN, ça vous protège. Et l'autre usage, c'est que ça peut faire croire que vous êtes connecté depuis un endroit autre que votre endroit actuel. C'est-à-dire que je peux faire croire que je suis aux États-Unis, par exemple, ou au Japon, etc. Donc ça peut servir, par exemple, pour contourner certains sites, suivant où vous êtes dans le monde, s'il y a des sites qui sont bloqués, etc. Évidemment, rien d'illégal, les amis. Hein, je n'encourage à rien, je vous dis juste ce qui est possible. Mais c'est aussi, bah, par exemple, sur certains services de streaming, y a des catalogues en fonction des pays. Et bah, ça peut être pratique de se dire ailleurs pour avoir accès à un autre catalogue. Vous avez un super deal en allant sur nordvpn.org/cyrusnorth. Et en plus, c'est 30 jours satisfait ou remboursé. Comme ça, si ça vous va pas, vous pouvez annuler votre achat. Alors ça marche sur votre téléphone, sur votre tablette, sur votre ordinateur. Donc vous pouvez l'avoir sur plusieurs appareils en même temps. Extrêmement simple d'utilisation. Extrêmement fiable, extrêmement rapide. C'est le VPN que j'utilise personnellement quand j'en ai besoin. Ils sont en train de travailler sur d'autres produits d'ailleurs au sein de NordVPN, genre des choses qui vont permettre de bloquer des trackers par exemple, ou bien des choses en rapport avec les sites malicieux. Voilà, on n'en sait pas vraiment plus pour l'instant, ils sont en train de travailler dessus. Par contre, je peux déjà vous donner d'autres produits qui existent, hein. Il n'y a pas que NordVPN, il y a aussi NordPass, donc il y a un gestionnaire de mots de passe. Extrêmement pratique, et NordLocker qui permet de chiffrer vos fichiers. Encore une fois, le lien c'est nordvpn.org/cyrusnorth. Je les remercie grandement d'avoir sponsorisé cette vidéo et d'être un soutien très régulier, non seulement sur la chaîne, mais aussi sur le format Êtes-vous des merdes. Et en plus, je trouve ça logique, parce que vu que vous m'envoyez vos histoires en étant anonyme, etc., je trouve qu'on reste dans la thématique du VPN. Et donc c'est parfait. Les parapotes, on arrive sur une fin de vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ces expériences vous auront intéressé, vous auront peut-être fait rire, vous auront peut-être appris des choses sur vous-même, vous auront permis de vous projeter, vous imaginer dans ces situations-là, qu'est-ce que vous auriez fait, etc. Voilà, j'espère que vous avez kiffé. Si vous voulez savoir si vous êtes une merde, n'hésitez pas à envoyer un mail qui explique votre situation, ce que vous avez fait, hein, c'est du passé, c'est toujours un truc qui est passé avec votre genre, votre âge et une explication, tout ça en anonyme en utilisant le service que je mets en description. Moi, c'est toujours un format que j'adore. J'essaie d'en faire au moins une par mois. Je vous embrasse très très fort, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Love, peace, ciao.